down. Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2014, votre talk de l'été. Quatre terriens de choix avec nous ce soir, Marie-Noël Lindemann. Marie-Noël Lindemann, mesdames, messieurs, la plus grande opposante de l'année à François Hollande, Emmanuel Valls, normal, elle est de gauche. Nabila Benatia. Nabila, bonsoir. Vous êtes ce soir notre héros de l'actu de l'année. Il faut dire qu'avec votre nom, mais à l'eau quoi, vous êtes devenu célèbre, incroyablement célèbre, pour deux raisons. Vos seins. Ça fait deux en plus. Marc Lavoine. Nabila, vous connaissez Marc Lavoine? Bien sûr que je lui le connais. Lui, dites pas que votre grand-mère l'adore, il va pas s'en remettre. Et Tony Saint-Laurent. Tony Saint-Laurent. C'est marrant comme nom. J'ai quand même l'impression que vous êtes plus Tony que Saint-Laurent. Oui, c'est vrai, c'est ça. Pourquoi pas Kevin Dior ou Mohamed Chanel? Ouais, c'est... c'est pareil. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h, ce soir, dans notre série « Que sont-ils devenus ?» Philippe Corti. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, Summer 2014 et le groupe Les Gréements de Fortune. Et on commence avec notre héros de l'actu de l'année, ce soir, Nabila Benatia, mesdames et messieurs. Alors Nabila, je crois qu'on peut parler d'année Nabila. Vous avez été révélée par votre fameux nom mais allô quoi dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité. Et vous êtes devenue une star mondiale en trois jours en fait. Tout le monde connaît votre nom désormais alors que personne ne se souvient du dernier prix Nobel français. C'était qui? Je sais pas. C'est un physicien. Oui, qui s'appelait Je sais pas son nom, mais je... Un mec sympa en plus, mais bon. Oui, parce qu'il a moi dit marrant, que la recherche Nabila. Publique... Oui, moi marrant. Il a dit que la recherche publique lui avait permis de trouver. Il mais s'appelle Serge nom. Arroche. Voilà. Gloire lui soit rendue, mais moins qu'un Nabila. Alors on regarde comment tout a commencé. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Et voilà. Est-ce que Nabila, sérieusement, est-ce que vous aviez conscience, à ce moment-là, vous aviez prononcé la phrase, qu'elle ait changé votre vie, en fait? Non, mais je m'en remets toujours pas. Au début, j'étais dans l'euphorie du truc, donc je me disais, oh là là, il y a plein de choses qui arrivent, et à l'heure d'aujourd'hui, je m'en remets pas. Ben voilà. Alors, il y a eu César avec Veni, Vidi, Vici. Il y a eu Galilée avec Pourtant, elle tourne. Il y a eu De Gaulle avec Je vous ai compris. Il y aura désormais Nabila avec Non, mais allô, quoi. Alors, vous avez déposé l'expression... Non, mais allô, quoi? Comme Christina Cordula d'M6 a déposé Magnifique, comme Michel Drucker a déposé Merci, et comme François Hollande a déposé Je vais inverser la courbe du chômage cette année. Voilà. C'est ça. Alors, j'ai sorti un livre qui s'appelle Les C'est comme si je te dis. Alors, c'est très drôle. Il y a C'est comme si je te dis, t'es footballeur et t'as pas de numéro de Zaya. C'est comme si je te dis, t'es ministre du budget, t'as pas de compte en Suisse. C'est très marrant son bouquin. C'est comme si je te dis, t'es un labrador et t'as pas d'aveugle. Alors, pourquoi vous avez sorti un livre et pas un shampoing? Ça aurait été marrant, franchement. Ah ouais. c'est il y avait un truc à faire. Hein. Et alors, last but not least, donc, il y a eu Allô Nabila sur Énergie 12. Là, la saison 2 est diffusée tout l'été. Après Los Angeles, vous êtes à Paris?
C'est ça. C'est moins bling-bling que Los Angeles. Ouais. C'est vraiment la vérité. On prend le métro. Enfin, on est dans la vie parisienne. Dans la vraie vie. J'imagine que personne ne le ratera. On regarde à quoi ça ressemble. Je m'étais dit qu'en rentrant à Paris, ça serait sympa qu'on s'installe ensemble, tu vois. Une bonne fois pour toutes. C'est mon premier emménagement avec un garçon. Partager les brosses à dents, tout ce genre de trucs, c'est nouveau pour moi. Voilà, et on allait se trimballer tout le package. Je me suis dit, ça y est, j'y suis encore. Il a été surpris. Qu'est-ce qu'elle vient faire encore, la vieille, là ? Allô, Nabila, saison 2. Donc, en famille à Paris, tous les jours, sur Énergie 12, à 17h35. Alors, c'est quand même votre dernière télé-réalité, là, vous avez arrêté. Bah là, j'arrête définitivement. J'avais envie de terminer ce projet. Oh, oh non ! On va pas faire ça toute sa vie, non plus. Ils sont trop chou. Ouais. Alors, le plus incroyable de toute cette histoire, quand même, c'est que vous êtes devenue conseillère du président de la République et François Hollande vous a écouté et il a bien fait. On regarde. Ben non, moi, je l'avais déjà conseillé l'année dernière de faire du buzz et c'est ce qu'il a fait, notamment une de Closer. Donc, je pense qu'il a pas mal suivi mes conseils et c'est déjà bien qu'il ait compris qu'il fallait m'écouter un petit peu. Parce que, bon, François Hollande, avant son histoire... avec sa maîtresse, on n'en entendait pas trop parler. Donc je pense qu'il a su que j'étais de bons conseils. Vous voyez, Marie-Noël, François Hollande, c'est vrai qu'avant Julie Gaillet, on n'en parlait pas tellement. Hein. C'est fort. Alors bien sûr, il y a eu des rumeurs, il y a eu des critiques. On a dit des conneries, on a dit que vous aviez passé 3 mois en prison, vous aviez été escort girl, que vous étiez dans la ruine et la dépression. Ça, ouais. C'est plutôt la France, pas Nabila. Pas moi. Il y a même la Française des Jeux, on m'a dit qu'il voulait vous engager pour un jeu à gratter appelé Mycose, c'est vrai? C'est non. Il y a eu Patrick Sébastien qui a pas été... Il a dit, à ce niveau-là, c'est de la prostitution, c'est pas... Bah, je trouve ça un peu dur, un peu fort. Ouais. Et je trouve qu'au contraire, on est là, on a 20 ans, on s'amuse, on est filmé en s'amusant, et c'est quelque chose de cool, quoi. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de prostitution. Non, mais surtout, vous avez dit à Patrick Sébastien que question prostitution, c'était plutôt lui, le spécialiste. J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que lui, il devait regarder devant sa porte avant de balayer mon truc. Voilà. Devant chez moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, en fait... Toutes ces critiques, vous vous en foutez, Nabila, faut dire la vérité. Le seul truc qui vous touche un peu, c'est votre père, évidemment, l'attitude de votre père. C'est-à-dire, vous avez un papa musulman, une mère chrétienne, une grand-mère juive. Donc à la maison, ça ne fait pas rigoler tous les jours. Ouais, c'est trois cultures très opposées, très différentes. Et j'ai essayé de prendre le meilleur de chaque pour faire ce que je suis maintenant. Mais c'est vrai que j'ai un peu le cul entre trois chaises, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que votre père, quand vous étiez petite, ne voulait pas de porc dans le frigo, par exemple. Pas de porc dans le frigo, pas de maquillage, pas de coiffage. Enfin, fallait être... voilà, quoi. Ouais. Mmh. Et à un moment, quand vos parents ont divorcé, vous avez choisi de rester avec votre maman. Voilà. Et votre père, vous ne l'avez pas tellement revu depuis. Non. Si vous étiez resté avec votre père à l'époque, vous seriez mariée. Et vous seriez la reine du tagine aujourd'hui. Ah ouais, là, je serais la couscoussière, 3 maris, 12 enfants. Ouais. Alors là, vous êtes avec Thomas. Il a déclaré. C'est un peu la dernière chance pour nous deux, quoi. C'est que c'est très difficile en étant médiatisé. Moi, je suis avec lui depuis 2 ans. J'essaye de me battre contre le milieu de la télé. Vous le connaissez, il y a plein de vices. Il y a plein de tentations, surtout. Ouais, tentations, bah, moi, je ne suis pas trop tentée, mais c'est vrai que... Pourtant, je vous ai mis à côté de Marc Lavoine. Je ne peux pas Marc faire Lavoine, plus. Marc Lavoine, j'avoue, c'est au-dessus. Je ne peux pas faire mieux. Ouais. Merci pour moi. Moi, je suis là, à côté. On ne va pas calculer. On ne va pas calculer. C'est incroyable, ça. C'est l'homme de votre vie, Nabila? Franchement, je pense que c'est l'homme de ma vie. J'en suis même sûre à l'heure d'aujourd'hui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. Denis Saint-Laurent, rebonsoir. Merci.
Alors, Tony, c'est votre vrai prénom. Oui, oui, tout à fait, c'est mon vrai prénom. Votre mère avait déjà de l'humour. Oui, non, mais en fait, pour l'info, c'est ma mère, quand elle était jeune, elle était fan de Amicalement Vaut avec Tony Curtis. Et, ben voilà. Et j'ai aussi une petite sœur qui s'appelle Roger Moore et qui a 23 ans. Le pire, ça aurait été Tony Smalto ou Tony Gucci, ça faisait un peu mafioso, quoi. Oui, c'est ça. Ou acteur porno, ça ouais. dépend. Alors, vous le savez, Tony, dans ces émissions d'été, nous faisons le bilan de la saison de nos invités. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé ? Le bilan. On commence par la partie positive du bilan. Votre spectacle marche très bien. C'est ça. Et à partir du 19 septembre, du jeudi au samedi, vous êtes au Jamel Comedy Club à 20h30 et vous reprenez votre spectacle. Appelez-moi Tony Saint-Laurent. Pourquoi ? On vous appelle comment d'habitude ? C'était mon premier spectacle, histoire tout de suite en anticipation. De mettre bien le nom, ouais, quoi. Et puis j'ai mis mon vrai numéro de téléphone sur l'affiche. Ah oui, vous avez eu des appels ? Deux. On regarde à quoi ça ressemble. C'est vrai que j'ai une tête très très chelou. Hein. J'ai une tête de réunionnais, kosovar, avec des cheveux de caniche, posée sur le corps de Christophe Willem. Hein, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ce corps tout pourri. Il veut pas partir. Il est là, il est bien. Mais en fait, en vrai, je suis métisse. Si, si. En fait, mon père est antillais et ma mère est portoricaine. En fait, si j'avais été une meuf, j'aurais été super bonne. Hein? Voilà, Tony Saint-Laurent, à partir du 19 septembre, au Jamel Comedy Club. Alors, toujours dans la partie positive, vous avez assuré les premières parties de Gad Elmaleh à l'Olympia. Alors, c'est impressionnant de faire la première partie du mec qui a fait la pub LCL. Bon, j'ai fait la première partie de la pub LCL. Ah oui, vous aussi. Mais ils m'ont coupé au montage, voilà. Alors, pas grand-chose de négatif dans le bilan. J'ai beaucoup cherché, mais il n'y a pas grand-chose. Mmh. Alors, s'il y a un truc, c'est que vous participez à Téléfoot, l'émission de TF1 sur le web, et vous n'avez pas été invité au Brésil. J'ai essayé de pousser TF1, ouais. Tout ça, mais il y a plein de trucs qui m'ont dit non. Genre, ouais. J'ai pas de place de parking, ouais, des trucs ça. Comme ça. Mais en revanche, vous avez fait Fort Boyard avec Valérie Damido. C'est dur à faire, hein. Je sais pas ouais, si surtout avec fait. Valérie Damido. Ah. Mais j'étais content, j'ai fait un selfie avec Passepartout. Comment vous avez fait ? Je l'ai pris dans les bras, voilà. Marc Lavoine, rebonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir, Marc. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu dans mon émission. C'est vrai que depuis que j'invite plus des stars du porno, on vous voit moins. C'est comme Bruel, d'ailleurs, il vient plus. Alors Marc, vous êtes ici pour un film. Oui. Je ne résisterai pas au plaisir de réécouter vos chansons. On va faire un music story.
Alors, dans l'album Je descends du singe, il y avait Julie Gaillet, vous la connaissez bien? Oui. Elle a des problèmes de vue, non? Je connais très bien Carla Bruni aussi. Ah! Comme quoi? Oui, comme quoi, elles ont toutes les deux des problèmes de vue, oui. Alors, Marc, vous le savez, oui, dans ces émissions d'été, nous faisons le bilan de la saison de nos invités. Le temps passe, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Calmement, se remémore en chaque instant par des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Le temps passe, passe. C'est le bilan. Alors, bilan positif au cinéma. On vous a beaucoup vu cette saison dans des films bien accueillis. La liste de mes envies, avec Mathilde Seigner. L'histoire d'une femme qui gagne 18 millions d'euros au jeu et qui se demande ce qu'elle va en faire. Vous vous en faites quoi chaque année? De vos 18 millions. Je suis pas un homme d'argent, moi. Ouais. Non. Ensuite, il y a eu, donc, cette année, Sous les jupes des filles, qui marche très, très bien. Hein. Mmh. C'est typiquement le film de filles, quoi. Avec des gonzesses qui disent qu'elles en ont marre des mecs, qui parlent de cunilingus en portant des loup-boutins, quoi. Enfin, j'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Adjani. Ouais. Je jouais son gynécologue, en plus, mais qui était un gynécologue. C'est un rêve d'adolescent, ça. D'être gynécologue. Ouais. Non, de jouer avec Isabelle, oui. Alors, Marc, vous êtes ici ce soir pour un film qui s'appelle « À toute épreuve » d'Antoine Blossier. Alors, le pitch, c'est « Tu passes le bac, nous, on le braque. Mmh. » Hein. Alors, c'est l'histoire de lycéens assez feignants, des sous-doués, on peut dire, qui décident de voler les sujets du bac. Mmh. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Alors les bolos, on va prendre une grosse branlée. Tu as honte de savoir ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi? Il faut la mention très bien, sinon je peux pas partir à Londres avec Maëva. Rentre pas, maman. Maman. On braque les sujets ici et on trouve quelqu'un qui nous les torche à la dernière minute. Ah mais qui? Ophélie? La fille de l'Ophol. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis sûr, le mec qui tue des gens. C'est quoi ça? La pharmacie de Lebars. T'as vu la dose que t'as mis dans le verre de Brice? Maman. Qu'est-ce qu'elle est bonne, ta mère? C'est bien mignon tout ça, mais on fait quoi maintenant? On rentre par attraction? T'as pas plutôt envie de savoir ce qui se passe dans le lycée? Je crois qu'on a trouvé notre Spider-Man. C'était aussi vénère la sécurité à l'époque? Trouvez-le moi! Vous m'aurez tous votre putain de bac! S'il l'annule, on se fait un remake de 69. 68. Quoi? Mais 68, pas 69. À toute épreuve, Antoine Blossier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour tous les gens qui ont vu l'épreuve, et ils sont nombreux, c'est l'épreuve sous acide. Hein, là. C'est, oui, c'est parfois c'est un hyper peu, déjanté. Un peu transgressif. Il y a aussi Crossing Lines, bon, série internationale sur TF1, ouais, avec Donald Sutherland, qui a été vendu dans je ne sais pas combien de pays, mais c'est un gros 180 succès. Pays. Oui. Il y a aussi un livre qui est très intéressant, c'est un album de Polaroid. Avec Cyril Poutman, chez, ouais, La Martinière. Vous, oui, prenez des polas, vous redessinez par-dessus, vous... c'est très bien. Cyril a toujours cette façon de nous apprendre que l'art, c'est quelque chose pour nous tous. Ouais. Et donc, il m'a donné le courage de faire ce bouquin. J'ai fait les photos, on a écrit un abécédaire, et il a écrit tous les textes, ouais, qui parsèment la très, très bien. Ouais. Et puis alors, toujours dans la partie positive du bilan, il y a votre épouse, oui, Sarah Lavoine. C'est la princesse Poniatowski. Oui, Sarah, oui. Vous avez dû oxyre un dragon pour la séduire, mmh, la princesse. Mmh. Comment ça se passe chez vous? Alors, Stéphane Bern vient commenter les dîners, les déjeuners. Voilà. Stéphane vient régulièrement. Bah oui, il est obligé, lui, la princesse. C'est un énorme. Vous me direz, a priori, il n'y a pas de négatif dans ce bilan, donc j'ai cherché, j'ai trouvé quand même un truc un peu négatif. Ah. C'est le cœur des hommes 3. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça a beaucoup moins bien marché que les deux premiers épisodes. C'est vrai. Ah, moi, j'ai adoré. Alors, ah, franchement, ouais, je l'ai vu dans la semaine en vogue. Ah ouais, j'ai adoré. Ça bien. Non, mais c'est marrant parce que le premier a fait un 5, ouais, le deuxième a fait un 8, et celui-là a fait 300, quoi. C'est vrai, ouais, ouais. Il n'y aura jamais le cœur des hommes à Saint-Tropez, le cœur des hommes font l'Espagne. Contre le cœur des hommes et les extraterrestres, on verra jamais. Non, je crois pas, non. Peut-être que dans le 3, il manque une scène comme celle du 2, là, qu'on a retrouvée, qui est absolument géniale. Chatte dans le miroir. J'ai vu ta chatte dans le miroir. Chatte dans le miroir, j'ai vu ta chatte dans le miroir. Couilles dans le rétro, j'ai vu tes couilles dans le rétro. Couilles dans le rétro, j'ai vu tes couilles dans le rétro. Foune dans la flaque d'eau, j'ai vu ta foune dans la flaque d'eau.
foune dans la flaque d'eau. J'ai vu ta foune dans la flaque d'eau. Extraordinaire. Alors, Marc Lavoine, tout le monde vous adore. Vous êtes le gendre idéal, les filles rêvent de vous, etc. J'ai honte. Donc j'ai décidé de casser l'image et de faire une interview « Brûlons l'idole ». Alors Marc. Alors c'est quoi le principe quand même? Le principe, c'est que vous allez être obligé de dire des choses. Vous autodétruire en direct. Je me brûle. Est-ce que vous avez déjà ri à une blague raciste? Ah bah oui. Oui. Obligé. Ah bah oui, on peut pas faire autrement. Bah oui. Hein. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà dit à votre femme, tu sais que t'as de la chance d'être avec moi, toi? Ouais. Tous les matins. C'est vrai, et elle le sait d'ailleurs. Hein. J'aurais dû appeler ça l'interview mensonge. Elle l'admet. Hein. Est-ce que vous avez un gros 4x4 qui pollue? Ah oui, j'adore la pollution. Rien pour faire chier Noël ma mère. J'adore. Est-ce que vous avez déjà dit à une fille, je t'aime, juste pour arriver plus vite à vos fins? Pourquoi c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude? Vous avez déjà fait du mal à un animal? Ah bah oui. Par exemple, j'ai un cheval qui a une jambe de bois. Parce qu'il est tellement bon qu'on le mange que petit bout par petit bout, vous voyez? Donc c'est... Ben non, mais c'est le jeu. C'est le jeu, voilà. C'est le jeu. Je dis... Marc, est-ce que vous avez déjà volé une chanson à quelqu'un? Bah toutes les bonnes. J'ai écrit toutes les mauvaises. C'est d'accord. Simple. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience homosexuelle à plusieurs? On peut en parler ou pas? Ouais. Avec Baffy et Corti. Voilà, Corti, ouais. Baffy et vous. Vous êtes déjà trompé de prénom en parlant à votre femme? Hier soir, je l'ai appelé Thierry. Et bien voilà. L'idole est brûlée. Marie-Noël Lindemann. Alors, Marie-Noël Lindemann, vous êtes sénatrice socialiste de Paris. Le Sénat, c'est bien cette maison de retraite au jardin du Luxembourg, c'est ça? Non, 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 c'est... moi je crois au bicamérisme. C'est-à-dire qu'une première loi peut être corrigée parce que la société débat, parce qu'on se rend compte qu'il y a des nuances à y apporter. Donc vous n'êtes pas pour la suppression du Sénat? Pas du tout, pas du tout. Je sais, ça fait vieux archaïque qui sort. Mais je n'étais pas non plus quand je n'étais pas sénatrice. Et le général de Gaulle voulait supprimer le Sénat? Oui, ça lui a coûté son job. Bah oui, absolument, absolument. Alors, Marie-Noël, vous qui avez été maire, députée européenne, ministre, sénatrice... J'ai fait tous les mandats de la République, oui. Sauf président. Alors, dites-moi, lesquels ne servent à rien? Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a trop d'élus en France. Marie-Noël, le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Alors, il y a le bilan positif et le bilan négatif. Comme vous êtes socialiste, on va commencer par le négatif. C'est terrible, mais c'est un peu vrai. Alors d'abord, il y a la nomination de Manuel Valls. Sa nomination vous a fait pleurer à la télévision. Moi, non, c'est quand j'ai rempli ma feuille d'impôt, mais bon. J'ai été très en colère. Ouais. Au moment où, dans le débat au Sénat, à un moment, il nous explique que tout ce que pensait la gauche était nul. Et de rage, je me suis levée, je lui ai dit, bon, en clair, tu es en train de nous dire que tout ce qu'a toujours dit la gauche, c'est nul et non avenu, qu'on est has-been, et que tout ce qu'a dit la droite, c'est génial, ouais. C'est opportun, et c'est inacceptable. Et là, l'émotion... Ben oui, parce que vous bossez là-dessus, vous. Ce cynisme est inacceptable. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on a Marine Le Pen. En revanche, vous avez pleuré quand vous avez découvert que le fils Fabius a acheté des appartements sans travailler. Ça, c'est... S'il louait ses logements à des populations défavorisées,
Je ne ferai que le féliciter, mais je n'ai pas cru comprendre que c'était son choix. Moi, je ne partage pas complètement vos idées, mais je trouve que vous êtes sincère. C'est tellement rare. Hein. C'est vrai. Mais je ne crois pas que c'est si rare. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sincères dans la politique. Ouais. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je ne désespère pas. Parce que c'est vrai que la France va mal. Ce qui me déprime le plus, ce n'est pas la balance, ce n'est pas le déficit, ce n'est pas les chiffres, c'est la déprime collective. Ah ouais. Et ce qui serait bien, si vous finissiez par votre phrase par « non mais allô quoi ?» C'est pas mon truc. Nabila, la politique, ça vous intéresse ? Ouais, j'ai rien compris, mais... Non, mais non, mais je vois l'idée. Ce que vous dites, c'est préoccupant, parce que c'est vrai qu'on a du mal à être compris de tout le monde. Dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait de l'éducation populaire. Oui. Des vrais débats, on mettait du cinéma, où on avait de l'esprit critique. On créait une culture politique. Non, mais parce qu'ils parlent tout le temps avec des mots qu'on ne comprend pas tous. En tout cas, moi, bien je ne les comprends pas. Par exemple, tout à l'heure, elle a dit le bicamérisme. Tu vois. Ouais, ouais. Non, mais oui, bicarbonate. C'est vrai. C'est juste d'avoir deux chambres, en fait. Bon, j'essaie pourtant souvent d'essayer d'être compréhensible. Ah ouais. Mais on a nos codes, comme tout le monde d'ailleurs. Quand j'écoute les chansons de rap, moi ça va, je suis habituée parce que j'ai été élue de banlieue. Bien sûr. Et donc je connais bien le rap. Beaucoup vers et mes enfants écoutaient du rap, donc j'écoute du rap, j'aime le rap. Mais mes collègues, ils ne comprennent pas les mots dedans. Parce qu'on vit dans des mots codés. Vous êtes très clair. Alors on a vu Valls, il y a Hollande. C'est vrai que être de gauche, passer à droite, quand c'est Valbuena, ça va. Mais quand c'est François Hollande, ça fait chier, quoi. Oui, oui. Hein? Moi, je ne comprends pas que l'essentiel des engagements qu'il a pris, qui n'étaient pas de la Révolution, ouais, ne soit pas tenu. Ouais. Je ne m'y résous pas et je ne m'y résoudrai jamais. Bien sûr. Il est un peu comme tous les mecs au volant. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils ne veulent pas demander leur chemin. Non, sérieusement, blague à part, comment vous allez faire pour empêcher les gens de voter Marine Le Pen quand son père sera mort ? Ce n'est pas moi toute seule. Hein. Il est clair que si la gauche ne retrouve pas la voix du peuple, c'est-à-dire reprend ses idéaux, il est clair que les risques de voir Marine Le Pen sont de moins en moins négligeables. Alors, Marie-Noël, alors j'ai cherché évidemment quelque chose de positif dans ce bilan et j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc, le 26 novembre, le pape François a critiqué le capitalisme. Ah ben oui, c'est le dernier. Il a dit le libéralisme est une économie qui tue. Je pense que c'est un signe que dans les forces que le pape soit aujourd'hui obligé de constater que l'humain est détruit par le système. Ouais, mais vous êtes quand même très sensible à la chrétienté, oui, parce que je sais que vous aimez beaucoup Jésus-Christ, vous êtes subjuguée par Jésus-Christ. Quand vous étiez petite, vous aviez écrit une lettre au pape pour lui dire de dépenser moins de pognon pour sa garde-robe et de le donner aux pauvres. Oui. C'est extraordinaire. Quand j'avais vu cet article-là, où le Vatican dépensait des millions, je disais, mais attendez, mais c'est à des années-lumière du message. J'étais naïve, mais vous j'ai gardé une part de cette naïveté. Très bien, bravo. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est l'historien spécialiste des États-Unis, François Durpère, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto ce soir, dans notre série « Les nouveaux maîtres du monde », Barack Obama. Obama n'est plus l'homme le plus puissant du monde. Il a été détrôné par Poutine. Pourtant, les États-Unis sont un pays 8 fois plus riche que la Russie. Et ils dépensent 10 fois plus que les Russes pour leur budget militaire. Alors pourquoi Obama se laisse-t-il marcher sur les pieds par Poutine ? L'hypothèse la plus simple consiste à dire qu'Obama est une mauviette. Pour faire des grands sourires, des petites blagues et des beaux discours, il est très fort. Yes, we can. Mais quand faut cogner pour se faire respecter, il n'y a plus personne. Il n'y a qu'à voir pour la Syrie. En août 2012, il promet que si Bachar el-Assad utilise des armes chimiques, il y aura des représailles. Bad. A red line for us. Résultat, 6 mois plus tard, Bachar utilise des armes chimiques et Obama se dégonfle. Franchement, à quoi ça sert d'être le plus fort si on n'en profite pas pour cogner sur les autres ? Pour Dick Cheney, l'ex-vice-président de George Bush, tout ça tient au tempérament d'Obama. He's very, very weak president, maybe the weakest, certainly in my lifetime.
Mais si Obama refuse de suivre l'exemple de George W. Bush, est-ce que c'est de la faiblesse ou bien de l'intelligence? La guerre en Irak a coûté 4 000 milliards de dollars aux États-Unis. Plus de 100 000 Irakiens ont été tués et 4 400 soldats américains ont perdu la vie. Tout ça pour qu'au final, l'Irak passe sous le contrôle des djihadistes. Alors avant de cogner, mieux vaut réfléchir. Since World War II, some of our most costly mistakes came not from our restraint, but from our willingness to rush into military adventures without thinking through the consequences. Grâce au gaz de schiste, les États-Unis vont bientôt conquérir leur indépendance énergétique. Du coup, plus besoin d'envoyer les soldats pour surveiller les puits de pétrole. Et si les terroristes se cachent au Yémen, par exemple, eh ben, au lieu d'envahir tout le pays, il suffit d'envoyer un drone. C'est moins cher et plus discret. Si Obama paraît faible, c'est juste qu'il ne veut pas tenir le rôle de shérif de la planète. Au lieu de dépenser des milliards pour faire la guerre à l'étranger, il préfère les investir aux États-Unis et muscler l'économie américaine en compétition avec la Chine. Le problème, c'est que si les États-Unis ne veulent plus être le shérif du monde, qui va nous défendre contre les méchants? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. François Durfer, bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférence à Cergy, spécialiste des États-Unis. Bienvenue parmi nous. Alors, Obama. Obama, on va faire d'abord les espoirs et ensuite les déceptions. Alors, les espoirs, évidemment, président noir, dans un pays qui, avant lui, était gouverné par les néoconservateurs. Grande leçon de tolérance. Finalement, le rêve de Martin Luther King devient réalité avec Yes We Can. Puis c'est la fin de l'arrogance, du shérif mondial, meilleure relation internationale, plus humaine, etc. Il était un peu attendu comme le Messie. D'ailleurs, il a eu rapidement le prix Nobel de la paix. Donc au départ, il y avait énormément d'espoir sur Obama. Ouais. Le jour où il a reçu le prix Nobel, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un journaliste espagnol qui l'a remarqué. C'est que dans ce discours, il a prononcé plus de fois le mot « guerre » que le mot « paix ». C'est assez extraordinaire pour un prix Nobel de la paix. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas mis fin aux guerres, il a mis fin aux guerres d'occupation. Très bien. Donc, Marie-Noël, c'est vrai que par rapport à Bush... Ah oh bah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah non, non, pas du tout. Marc, quand Obama a été élu, vous étiez heureux? Moi, j'étais très heureux parce que j'étais avec mon fils qui est métis, qui est moitié américain, moitié français. Ouais. On a regardé donc... le discours d'investiture, etc. Enfin, on était tous les deux en larmes. Il m'a dit, j'ai un président qui a ton âge et qui a ma couleur. Ah, donc c'est bien. C'était voir ça dans sa vie, je trouve que c'est quand même un événement absolument incroyable et magnifique. Nabila, vous intéressez pas tellement à la politique, mais l'élection d'Obama, vous en souvenez quand même. Moi, me faisait penser à 50 Cent. Ouais. Non, mais j'étais contente, hein. Côté positif, il y a quand même 280 000 emplois créés chaque mois. Exactement. Ça veut dire que quand Obama est arrivé au pouvoir, il était à 7,2% de chômage et en un mandat, 6,2%. Et par ailleurs, Obama, pour sauver l'automobile, a accepté de nationaliser. Puis un autre truc aussi qu'il a fait dans le positif, c'est que c'est l'Obamacare. Ça, c'est une vraie révolution culturelle. Oui. Alors, c'est vrai que la mise en œuvre a eu des cafouillages. Elle a été calamiteuse. C'est là qu'on voit d'ailleurs qu'on a un certain génie à avoir une sécurité sociale dont on râle tout le temps, mais enfin qui, globalement, marche bien. Alors, au niveau du négatif, il y a donc Guantanamo. Je ne suis pas là non plus pour défendre Obama, mais c'est vrai que c'était sa première promesse. Alors, ça fait désordre. Guantanamo, il faut l'avis du Congrès, et il se trouve qu'il est en cohabitation, Obama. Alors, le retrait d'Irak, très désorganisé. Il a laissé très peu de gens là-bas en Irak, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi le califat peut s'installer. Et elle n'est pas là, l'erreur. L'erreur, elle est en mars 2003. Et de faire croire au monde entier qu'on allait commencer une guerre le 20 mars 2003, qu'elle allait se terminer le 1er mai officiellement, elle s'est terminée le 1er mai 2003. Et entre-temps, on voit que ça a tout désorganisé. Absolument. Et puis le Moyen-Orient. Parce que quand il est arrivé, il a fait ce discours au Caire, qui était très important, où il voulait vraiment faire la paix, faire parler les gens entre eux. On a vu que ça n'a mené à rien. Aujourd'hui, Israël continue à coloniser la Palestine comme si de rien n'était. D'abord, ce qui est très compliqué, c'est de gouverner avec un Congrès qui lui est hostile sur ce sujet-là. Ouais. C'est-à-dire que, républicains comme démocrates, il y a beaucoup de représentants et de sénateurs qui sont hostiles à toute avancée. Et Barack Obama, il ne peut pas faire le boulot tout seul. Alors, il y a aussi l'assassinat de Ben Laden. C'est-à-dire qu'ils ont assassiné Ben Laden. Tout le monde était plutôt ravi. Enfin, ça n'a pas été la fin du terrorisme, loin de là. Non, ce n'est pas la fin du terrorisme, mais pour les Américains,
ils associent la fin de Ben Laden à la fin de l'identification d'un méchant. C'est-à-dire que le monde, pour les Américains, est devenu plus complexe. Alors, il y a aussi un truc qu'on peut reprocher à Obama, c'est son attitude face aux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire Julian Assange, Edward Snowden, Bradley Manning. Finalement, les États-Unis les traitent en espions, alors que c'est des gens qui disent jamais que la vérité, quoi. Oui. Barack Obama, il a à gérer la situation des États-Unis aujourd'hui. Ils sont en capacité d'espionner le reste du monde. Et pas d'espionner seulement les gouvernements, mais d'espionner l'ensemble des gens sur la planète. Et là, ce n'est pas la question de Barack Obama ou pas. Nabila, sans doute, êtes-vous espionnée par la NSA avec votre compte Facebook? Vous savez ça? Par la NASA? La NSA. Non, la NSA. Les services secrets américains. Ils écoutent tout ce que vous dites. C'est vrai? Qui c'est qui vous a dit ça? Tout le monde le sait. Sérieux? Dur père. Si tout d'un coup, Nabila devient un problème pour la sécurité nationale, pour les États-Unis, tout d'un coup, on va zoomer sur son doigt, on va voir, ah oui, d'accord, elle est pacifiste. Si c'est, regardez, elle a un signe qui est... Qu'est-ce que vous avez là? Ça, il faut... Non, mais ça, c'est pas rien à voir avec ce qu'il dit. Hein. Eh ben, c'est quoi? C'est un tatouage. C'est un tatouage, mais ça représente quoi? C'est le symbole de la paix. Donc, on va dire Nabila pacifiste, attention. Et donc, voilà. Pacifiste, à une époque où c'était... Les pacifistes, c'était les communistes. Exactement. Donc Nabila, communiste. Exactement. Voilà, méfiez-vous, Nabila. Ok, je vais faire attention alors. Tony, j'ai l'impression que nous, on s'identifie plus en Obama que dans nos politiques. C'est pas faux. Alors, mais après, Obama, il a pris Beyoncé pour chanter l'investiture. Nous, on a pris Mireille Mathieu. Donc là, on se dit, il y a un décalage. Ce qui est très positif, peut-être dans le bilan d'Obama, mais dans le fait qu'on ait une conversation sur Obama sans parler de sa couleur de peau. Oui. Dans sa campagne électorale, on n'a parlé que de ça, le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Là, on parle de son bilan. Bien sûr. Ça, c'est une très grande avancée pour les États-Unis, le monde. Nabila, le mot de la fin, Obama. Yes, we can. Yes. François, merci d'avoir été avec nous. Marie-Noël, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Monsieur Philippe Corti. Philippe Corti, bonsoir. D'accord. Fils d'instituteur Sevenol, vous êtes devenu le premier DJ célèbre. Du mariage de Mourouzi à celui de Zidane, en passant par la case prison et les émissions d'Ardisson. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. Ah. Ah bah, toujours fidèle, hein. Moi je suis pas un lâcheur. Ouais. Ouais, je peux te dire que moi en 40, je me serais pas taillé en Angleterre pour faire de la radio amateur. Hein. Bon, je glande pas en ce moment. Je suis peut-être pas sur les plages de Gaza, mais il faut bien reconnaître qu'ici, au moins, on reçoit que des gens cultes. Ouais. Ah bah, c'est Tony Saint-Laurent, c'est le sosie du frère de Prince. Hein? Marie-Noël, bon, qui est partie. Nabila, la future Claire Chazal, c'est vraiment... Merci. Ouais, je t'en prie. Et puis Marc Lavoine. Bah, franchement, après les Stones, moi, Marc Lavoine. Non, vraiment, non, la chanson culte, là... seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Hein, t'es d'accord? Et après, ça c'était. Moi, quand j'ai entendu cette chanson, je savais que là, il y avait un point de départ. Et puis le duo, besoin de rien, envie de toi. Ah ouais. C'est que des. Toute ma. J'avais quoi, moins 20 ans à l'époque? Ouais. Truc comme ça. Non, alors là, je me nourris vraiment des gens. Corti, je savais pas que vous veniez, puis en fait, ça changeait rien à ma chronique. Je m'inspire des invités, ça veut pas dire que je suis pas inspiré, quoi. Parce que là, en ce moment, je regarde des DVD, là, j'ai vu La vie d'Adèle. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'ai rien contre les cours de gynécologie, mais autant prendre des modèles qui donnent envie, quoi, quand même. Parce que je suis un peu angoissé. En ce moment, je cherche un endroit pour partir en vacances. Ah ouais. Et je m'y prends un peu tard, forcément, il n'y a plus une chambre d'hôtel libre à Berck-sur-Mer. On m'a proposé le Brésil. D'aller voir la coupe du... Alors attention, voyage en business, hôtel 5 étoiles, les meilleures places et tout. Alors c'était tentant, mais j'ai eu un choc. On m'a dit qu'en fait, là-bas, ils parlent portugais. Ouais. Moi, je pensais que c'était comme en Argentine, ils parlent allemand, quoi, tu vois.
Et bien sûr, j'ai hésité, il y avait d'autres destinations placées sous le signe de l'histoire, quoi. Et des lieux de victoire historique, quoi. Poitiers, Gergovie, ou de défaite, comme Alésia ou Tulle. Bah, tu vois, des trucs... Tulle. Tulle. Non, mais l'été, c'est angoissant. Ouais, c'est angoissant, hein. Puis il y a le tube de l'été qui arrive. D'ailleurs, j'ai un conseil sexo pour l'été. Faites comme moi, faites jamais l'amour sur Barry White, mais sur du chant grégorien ou des polyphonies corses. Comme ça, je suis sûr de toujours au moins salir un truc pendant l'acte. Je dis les polyphonies corses parce que tout le monde me dit « Ouais, la Corse, va en Corse, c'est génial là-bas. En plus, le FLNC a déposé les armes. » Bah, il était temps. Et ils ont mis du temps à comprendre qu'il n'y avait aucune dignité à se battre contre Pino, simple flic, et son armée de gardes champêtres. C'est un truc. Franchement... Non, pour moi, la Corse, c'est la destination cheap, quoi. En plus, tu te fais maltraiter. T'as envie de leur dire non, mais c'est bon, quoi. La garrigue semi-désertique et des femmes en noir, je trouve aussi ça au Kurdistan, quoi. Oui. Bien. Pourtant, je dis ça, a priori, moi, la Corse, ça aurait pu me plaire, parce qu'en général, en vacances, je préfère aller dans les pays du tiers-monde. T'arrives en conquérant. Tu passes l'année à te faire humilier à Paris, en vacances, t'as envie que la roue tourne. Hein? Et là, j'étais à l'île Maurice, les mecs sont tellement gentils. Ils n'ont vraiment aucune dignité. tu leur dis de faire le tour du palace à cloche-pied sans faire déborder le mojito, ils le font. Tu sais? Essaye de demander ça à un Corse, quoi. Tu vois? Non, en Corse, c'est tout juste, il ne faut pas leur dire excusez-moi, mais est-ce qu'il serait possible d'ouvrir mon parasol sur cette plage magnifique entourée d'une nature rare au sein d'une île au patrimoine historique exceptionnel et aux spécialités locales hors normes, sans parler de ces polyphonies dont on se sent tellement orphelin dès qu'elles s'arrêtent? Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé. Non, mais j'ai toujours l'impression de leur dire non, mais je viens en vacances, j'ai pas envie de m'installer ici. J'ai pas envie, non. Non, mais je veux dire, ici, c'est pas chez moi, j'ai compris, c'est pas chez moi. T'as l'impression qu'ils protègent des puits de pétrole alors qu'ils règnent que sur un morceau de granit, vaguement broussaillé, ou tu sais jamais très bien s'ils sont de la garrigue, ça se rapporte au chant des cigales, ou à une chèvre qui se frotte le cul contre une touffe de romarin, tu vois. Puis bon, enfin, trouver une destination, c'est bien joli, mais après, se pose la question, partir avec qui? Si t'as une copine, se pose évidemment la question, sur place ou à emporter. Faut pas se mentir, l'été... C'est quand même la saison de l'amour, l'été. Ouais. Et l'amour, c'est... qu'est-ce que c'est? Bah, c'est cette très belle chose qui peut exister entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et deux femmes. C'est pas de la merde, quoi. Ouais. Et donc, en guise de bonne nouvelle, moi, j'aimerais donner un petit conseil amoureux pour l'été, c'est important. L'été, il fait chaud. Il faut toujours s'hydrater, parce que l'amour, ça peut être sportif. Surtout quand l'autre veut pas. Alors, pas cool, la sonore? C'était Gaspar Proust, vous retrouvez tout l'été et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Monsieur Philippe Corti. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 5 octobre 1958 à Millau, dans l'Aveyron, parents instituteurs, enfance de rêve dans un village sévenol, sauf les cours de salsa que votre père vous donnait avec le ceinturon. Oui. Bon souvenir, en fait. J'ai appris la cadence et le sens du rythme avec ça. Ah oui, ça je dois dire, oui. Fallait les éviter. Alors, zéro chance de faire une carrière dans la musique. Votre père dansait comme un ours. À peu près, oui. Ouais. Et votre mère, elle pensait que Verdi était drogué, donc très difficile. Un peu compliqué, la musique à la maison, oui. Ouais. La littérature, oui, mais pas la musique. Ouais, c'est marrant. Truc du diable. Alors, l'été, la famille va au pays de votre père, la Corse. Votre mère est pied noir, hein. Oui, mais Corse aussi. Ah, oui. Alors d'abord, il fallait prendre le ferry à Marseille. Et là, vous y allez à 7 dans la Simca 1300, quoi. Oui. Ouais. Mais c'était bien parce qu'en fait, j'avais deux sœurs. Donc les filles ne comptent pas pour les Corses. Donc elles étaient par terre et nous sur les sièges, donc ça allait. Ah ouais, vous étiez assis avec votre frère. Oui, oui, oui. 300 km à 58 km à l'heure, c'est long quand même. Ah ouais, on a le temps de compter les brins d'herbe. Ouais. Ouais. Alors en Corse, ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes plus l'élève de votre père. Hein. C'est que vous êtes son fils. Parce que... À l'école, vous n'aviez pas le droit de dire papa et maman. Ouais, c'est un peu compliqué. Puis, ils ne parlaient pas. Ouais. C'est-à-dire, même à la maison,
les rapports, pour pas avoir à me donner des conseils ou des petits trucs pour être meilleur à l'école, il s'abstenait de me parler. Voilà. Alors que quand vous êtes en Corse, votre père vous apprend la belote, la pétanque, la chasse, la pêche. Vous communiez vraiment avec lui à ce moment-là. Et j'avais l'antise, je n'avais pas l'antise de la rentrée parce que l'école me plaisait assez dans l'absolu, mais j'avais l'antise de le perdre à ce moment-là. Ouais. C'est ce qui se passait d'ailleurs. Je le perdais en tant que père, mais je l'avais quand même en tant qu'institut. Ouais. Et là, votre petit frère Paul meurt d'un cancer. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais comme avant. Quoi. Ça m'a permis, moi, de grandir plus vite et d'être mûr un peu plus vite. Mais la famille explose à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. 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 Et là, vous comprenez effectivement qu'il faut grandir seul. Il faut grandir avec ses propres armes, savoir ce qu'on ne veut pas faire pour pas le faire, justement. Mais ça permet de grandir, de se trouver, de se forger. Ouais. Et là, Philippe, vous trouvez rapidement votre vocation, être célèbre. Voilà. Vous étiez, comme on dit dans le midi, la vedette. La vedette. Et puis, peu à peu, ça se précise. C'est-à-dire que vous commencez à sortir dans les boîtes de nuit. Et là, vous comprenez assez rapidement que le disquaire dans une boîte, c'est le maître du monde. En fait. Ah ouais, c'est le chef, ouais. Il fait faire ce qu'il veut aux gens, s'il est bon, dans la mesure de ses qualités, bien sûr. Ouais. Il devient les Rolling Stones, il devient les Beatles, il devient Barry White. Voilà, c'est... Ouais. Nabila, je vous dis, à l'époque, on disait disquaire. Ouais, c'est pour ça que je comprenais pas, je regardais... Ah, ouais. Maintenant, on dit DJ, mais à l'époque... Ouais, DJ. Non, parce que là, on te parle d'un temps que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le DJ, il a l'impression que c'est lui qui a fait les chansons. Bien entendu, bien sûr. Il est à fond dedans. Et alors, en 1980, vous devenez DJ pro. Vous commencez à vivre de votre art. Et alors, vous êtes le premier à travailler dans plusieurs clubs à la fois, ce qui n'existait pas à l'époque, puisque c'était tous des résidents permanents, on peut dire. Hein. Ouais. Et là, vous baladez avec les... J'avais trois potes qui portaient les disques, parce que c'était des vinyles à l'époque. Ouais, et puis les flycases n'existaient pas. Les gros disques, là, comme ça. Ouais. Et les flycases n'existaient pas, donc on les faisait fabriquer. Enfin, moi, au début, j'ai fait au plus simple. C'est une cantine militaire en fer. Déjà, vide, elle faisait 50 kilos. Donc, avec les disques, 200. Donc, j'avais toujours trois mecs avec moi. Pire que les rappeurs, quoi. En 1985, vous ouvrez la Scatola. La Scatola, c'est à Port-Camargue. C'est un local pourri au fond d'un centre commercial. Vous payez ça à 50 000 balles. Oui, on paye ça à deux. Et puis, tous nos potes viennent nous aider à peindre en blanc avec deux, trois merdes accrochées au mur. Et là, c'est l'état de grâce. Le parrain, c'est Christian Lacroix. La marraine, c'est Inès de la Fressange. Mmh. Et la Scatola, c'est trois ans de fête, quoi. Trois ans de fête, le début de Bec Bédé, Edouard Baird, enfin, tous ces gens-là, quoi. Ouais. Ouais. Les gens venaient de très loin. Et puis un jour, vous êtes endormi, on vous réveille, on vous secoue pour vous réveiller, et c'est Yves Mourouzi. Ouais. Yves Mourouzi vous dit, je voulais rencontrer celui dont tout le monde parle dans le Sud. Et moi, je capte pas parce que je sors d'une soirée un peu compliquée et arrosée, quoi. J'avais l'impression de me réveiller devant le journal du 13h. Quoi. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et il me dit, non, mais il faut qu'on se parle. Je veux que tu fasses mon mariage. Et voilà. Il veut que vous fassiez son mariage dans les arènes de Nîmes, où il a invité 40 000 personnes. Quoi. C'est ça. C'est génial. C'est sublime, parce que l'endroit n'avait jamais servi à ça, à part à l'époque des Romains, qui était là, c'était la place du village. Quoi. Ouais. C'était redonner vie à un monument qui ne vivait plus. Quoi. Ouais. Et ça a été un moment sublime. Très important. Là, vous devenez encore plus star, évidemment. Vous décidez de monter à Paris. Et à Paris, vous occupez d'un club qui s'appelle le Distrito. Ouais. Alors là, c'est évidemment les Lacroix, Bec Bédé, Rodagil, Vanessa Paradis. Un club qui a duré un an, en fait. Un an, mais avec une telle intensité. Parce que les gens attendaient le mardi avec une telle impatience. Ouais. On le sentait. Mais vous veniez, vous aussi. Bien sûr. Et c'est là, justement... que je vous propose de participer à Bain de minuit, l'émission que j'anime à l'époque sur la 5, et tu deviens une star, Philippe. Una, dos, tres. Aunque se muere el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Faut expliquer à Nabila que la télé, à une certaine époque, c'était comme ça. Mais c'est pas si mal, hein. Ah, mais c'était vachement bien. C'est bien, je te confirme. En 1989, vous vous dites que vous ne serez pas le vrai roi de la nuit tant que vous n'aurez pas réussi à Saint-Tropez. Ouais.
Alors, vous reprenez le fameux Papagayo à Saint-Tropez, et bientôt, le journal Libération, qui à l'époque était très important, oui. Titre « Corti rebranche Saint-Tropez ». D'ailleurs, je me souviens très bien, vous m'avez appelé le matin. Il devait être 9h du matin, et j'ai décroché parce que j'ai reconnu votre voix au répondeur. Et tu m'as dit « Mais tu te rends compte de ce qui t'arrive ?» Non, je n'ai pas encore lu le journal. Et donc, je suis descendu acheter le livre. Voilà. Et là, un jour, tout bascule. À 13h, vous vous apprêtez à partir à la feria de Nîmes pour faire la fête dans votre bodega. On sonne, gendarmerie nationale. On vous arrête. Explication, si les stars sont toutes au Papagayo, c'est parce que vous leur vendez de la drogue. C'est vrai. Alors que vous gagnez plein de thunes, vous n'aviez aucune raison de vendre de la drogue à des stars. Surtout la quantité qu'ils me reprochaient. Ouais. C'était 90 extasies sur 3 mois, c'est-à-dire 3 extasies par soir. C'était... Allez, je vais le dire maintenant, mais j'en prenais un pratiquement tous les soirs, donc il en restait deux. Vendre 2 extasies, il faut être abruti, quoi. Voilà. En fait, vous faisiez de la concurrence. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, aux gens de Saint-Tropez, vous leur preniez des clients à leur boîte et on vous a chargé. Les stars n'ont jamais été entendues. Ils ont fait des lettres, ils ont demandé à témoigner. Hein. Le trafic n'a jamais été prouvé. Jamais. Le Papagayo n'a jamais été fermé. Mais vous prenez 4 ans de tôle. Mandat de dépôt à l'audience. C'est-à-dire direct, j'ai enlevé ma montre, les Pandores sont arrivés. 4 ans. En avant. Et le dealer qui vous avait chargé, cet imbécile, on lui avait promis qu'il prendrait que 2 ans, il en a pris 5. Il en a pris 5. Marqué, il y a une justice quand même. Oui, et puis il avait un nom prédestiné, Bastardos, il s'appelait donc. Ah, il s'appelait Bastardos. Ah, ouais, donc. Si tu nous regardes. Si tu nous regardes. Alors en prison, Philippe, vous tenez grâce à 3 choses, la télévision, la musculation et la masturbation. Ce sont les 3 choses importantes en prison. Ouais. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Quoi. Non, voilà. Vous êtes à la santé quand même, hein. Ouais, je me suis fait santé, après Beaumette, parce qu'il fallait que je reprenne un peu l'accent du Sud, et puis après Tarascon, parce que... Tarascon, c'est cool, Tarascon. C'est bien, Tarascon. Alors, on y est retourné tous les deux, à la santé. Vous avez des... Non. Ouais. Ah ouais, ils sont sublimes. Les mecs, tu vois, ils se passent des trucs de fenêtre en fenêtre. Ah ouais. Avec un yo-yo. C'est un truc, c'est une corde qui est attachée avec un poids, et si par exemple tu n'as plus de cigarette, tu tapes, et le mec, tu mets ton bras, il t'envoie la corde. Tu l'envoies à la cellule d'à côté, à la cellule d'à côté, à la cellule d'à côté. Parce que c'est l'heure où ils sont fermés. Là, ça doit être la ronde. Là. Tu vois, 9h30, c'est la ronde. Tiens, tu les entends, là? Là, tu les entends. Là. Ils s'appellent de cellule à cellule. Et ils parlent pas à quelqu'un qui est dehors, là? Ouais, parce qu'il a sa nana qui est en face. À mon avis, il y a une nana qui a parlé. Voilà. Alors, 4 ans après, c'est long, 4 ans. Ouais, c'est beaucoup de masturbation. Oui, ça, je dois dire. Et vous reprenez le travail à la télévision dans Double Jeu. Et à ce moment-là, le maire de Saint-Tropez écrit à Hervé Bourges, qui était patron de France Télévisions, vous employez chez vous un repris de justice. Ouais, jusqu'au bout, il est allé. Lui. C'est dingue. Ouais. Et heureusement, et gloire lui soit rendue, Hervé Bourges a dit à ce maire de Saint-Tropez, écoutez, Philippe Corti, il a payé sa dette à la société. Il n'y a aucune raison de le poursuivre éternellement pour une histoire qui, en plus, était assez bidon. Formidable. Ah oui, c'est formidable. Mais ça, c'est un peu grâce à vous aussi. Hein. Chaque fois, j'ai souvent les larmes aux yeux quand je le dis, mais il faut des gens qui ont des couilles dans la vie. Bravo. Et tout recommence. Ouais. Les soirées dans le monde entier. Quelle a été la soirée la plus dingue, Philippe ? Un fou qui avait fait venir 5000 personnes au pied des pyramides. Ah ouais. Tout était décoré par un gars qui s'appelle Charlie Baum, qui était fabuleux. Il avait fait un fauteuil club de 70 mètres de haut. Les gens m'ont rentré par le bras et buvaient des coups sur la terrasse, sur le fauteuil. Et puis après, on a dansé toute la nuit au bord des pyramides. C'était juste sublissime. C'est la soirée la plus folle que vous ayez animée. Ouais. Il y a eu le mariage de Zidane. Qui était bien un très aussi. Beau moment aussi. Ouais. Et aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes dans Mafiosa. Mais là, vous appelez Philippe Corticciato. Vous avez repris le nom de vos parents. Comme j'ai perdu un peu tout le monde dans ma famille, j'avais envie, s'ils me voient en haut, qu'ils voient leur nom écrit en entier, pour une fois. Ouais. Voilà. C'est juste pour ça. C'est votre vieux rêve, hein, ça, d'être acteur, non ?
Ah, c'était un rêve caché, mais c'est compliqué quand on n'est pas du Sérail. Ouais. Quoi, il faut, c'est long. Marc a mis longtemps pour y arriver. Tous les gens mettent très longtemps pour y arriver. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Oh, Ticcio, tu vas t'arrêter avec ce vélo. Tu vois pas que tu es au milieu de la route. Ça veut dire quoi, Ticcio? Tu es pas corse? Non. Tu as quatre corses, allez, fous-moi le camp d'ici. Voilà, Philippe Corti, Mafiosa, série de Canal+, création originale. Bravo. 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 Voilà, c'était SLT Summer 2014, votre talk de l'été avec Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice PS de Paris, Nabila Benatia, Allô Nabila, tout l'été sur Énergie 12, du lundi au vendredi à 17h35, Marc Lavoine, à toute épreuve, ça sort le 9 juillet, Tony Saint-Laurent, sur la scène du Jamel Comedy Club à partir du 19 septembre, François Durfer, historien, et Philippe Corti, la saison 5 de Mafiosa en DVD, et dans les bacs. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top Neva, l'édito de Blanco, les meilleures interviews formatées, Gaspard Proust. Bon summer 2014. Salut les frères. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.